S'exprime avec les mots divinement. Votre première photo, vous vous en souvenez? Ben, je ne suis pas photographe, déjà. Je suis fabricant d'images. Je suis en fait un artiste graphique et je me sers du médium photographique pour arriver à avoir plus de réalisme. Mais je n'ai pas une mentalité de photographe. Un photographe enregistre la vie, ce qui se passe. Et vous mettez en scène? Moi, je prépare tout. Donc c'est complètement différent. Et Gruau, j'aurais pas fait ce métier si Gruau, que j'ai rencontré par intermédiaire d'un mois, n'avait pas appelé ma mère pour lui dire que je devrais faire ce métier parce que ça gagnait bien. C'est exactement ces mots. Un aristocrate de ce genre qui dit à une dame, ça gagne bien, madame, ma petite dame, c'est un côté vraiment marrant. Autrefois, le prince demandait à un artisan de lui peindre le portrait de son épouse, ou je ne sais pas qui, mais en tout cas, c'est la même chose. C'est une exposition très riche. Elle regroupe plus de 230 images, mais aussi des dessins préparatoires. Les industriels qui payent pour avoir un film publicitaire, bien sûr, mais étonnant, sont les princes d'aujourd'hui. We had last time you leave.
mois, mais c'était un travail de dingue. J'avais 15 jours de travail pour faire une image. C'est peut-être moins charmant, mais c'est plus efficace. J'ai longtemps cru que c'était à travers un long métrage que je pouvais m'élever. J'ai très tôt fait un constat, parce que je suis quand même dessinateur avant tout, donc les proportions, pour moi, c'est très important. Et je me trouvais mal foutu, j'avais les jambes trop courtes. Bon. Alors, et quand on est ado, on ne sait pas trop, on est moche, mais on ne sait pas pourquoi. Et puis, les années ont passé, je me suis rendu compte que si je mettais des talonnettes dans mes chaussures, je gagnerais quelques centimètres, et non pas que je serais plus grand, mais mon pantalon serait plus élégant. Si vous aviez un conseil à donner à des jeunes gens aujourd'hui, qu'est-ce que ça serait ? Passe ton bac. Passe ton bac ? Je ne suis pas aucun. Je ne suis pas du genre à prendre des conseils. Vous n'êtes pas du genre à donner des conseils ? Non, j'ai beaucoup de mal. Moi-même, je peux conseiller une situation bien précise, mais être dogmatique comme ça, je ne pourrais pas. Je ne saurais pas. Si à le moment final, c'est encore mieux. Maintenant, si pendant le processus de construction il se passe un truc spectaculaire, je le récupère bien sûr. Mais non, je ne suis vraiment pas un You don't get something for nothing. Too bad. Go with your little honor. Cause I don't wanna lose what we had last time you're leaving. This love is